Touré, mais ce que tu m'as dit de payer là, moi, ce que les déclarations que je vois là, ça ne vaut pas. Si ça ne vaut pas, tu envoies des gens venir faire le boulot, c'est tout. Mais si tu ne me réponds pas, je ne comprends pas au fait. Faut pas en être méchant ou dire des trucs méchants par rapport à tout ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on cherche, hein. Moi, je suis pas venu pour dénigrer une personne ou pour saluer une personne. C'est pas le but. Moi, le but, c'est ma maison. Que je demande qu'il soit rétabli, c'est tout. Tout ce que je demande, c'est ça. Toi, tu tiens à ton image. Toi, Sylvia, tu tiens à ton image. S'il y a quelque chose qui sait que ça va te salir, que tu sais que tu as vraiment, tu as habité dans cette maison, où tu es, si je ne sais pas si tu loues, ou bien si c'est ta maison. Si ce n'est pas ta maison que tu es venu louer, que tu as pointé des photos ou des trucs, avant de partir là, la moindre chose déjà, c'est de balayer la maison. De nettoyer, même les trucs qui sont dans le mur, là, tu balais, tes bouteilles de champagne, tu bois, tu laisses là-bas, là. J'ai bu ça avec vous. J'ai pas bu avec vous. Tu ramasses déjà les bouteilles, on met les bouteilles dehors. Mais si tu t'en fous de la personne, tu laisses tes bouteilles qui sont là. La maison n'est pas balayée. La peinture, on n'en parle pas. Les trous dans les murs, on n'en parle pas. Ah, vous aussi. Je ne suis pas méchant. Je demande simplement la réparation de la maison. Je n'ai pas demandé des millions. Frère, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas ce que toi tu dis là. J'ai 1 million. Prends 1 million, s'il te plaît. Faut essayer de faire quelque chose. C'est la manière, au fait. Faut pas te montrer que tu es trop star. Faut pas te montrer, mais qu'on change un peu. Que c'est moi, j'ai habité dans la maison de cette dernière. Elle a une employée qui a fait une bêtise. Elle est venue s'asseoir sur les réseaux pour parler de ça. Elle est venue s'asseoir sur les réseaux pour parler de ça. Pour Faut dire dire elle voilà allait ce que te la mettre au personne a courant. fait. Mais attendez. Vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est l'argent, on met dedans. On est en Europe ici. Hein? Je ne suis pas fils de diplomate, je ne suis pas fils de président, je ne suis pas fils de ministre. On travaille ici. Et vous savez mon état. Mon état. Mon état, où je vous là, je vous parle. Mon état de santé, vous savez. Moi, je travaille plus ici. Et vous savez. Elle pouvait avoir pitié pour dire que ah, le monsieur, il a eu des problèmes à Bassam, sur la route de Bassam, qui n'est pas encore résolu. Je ne suis pas venu rajouter ça encore sur le monsieur. Elle était au courant de ça. Elle-même, elle m'a dit, ah, ils sont méchants. Pourquoi ils ont fait ça? Ils n'ont pas invité. Elle était au courant. Et toi-même, tu répètes encore les mêmes choses. C'est pas gentil, au fait. C'est pas gentil, c'est tout. Je peux lui dire, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Bon, j'aimerais informer tout le monde, ceux qui viennent Bonsoir, Monsieur Merci. Touré. Ok, Sylvia. Ok, Sylvia. J'espère Ok, que vous allez attends, bien. vas-y. Oui. Bonsoir, Monsieur Touré. J'espère que vous allez bien et tout. En fait, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vu qu'elle n'a pas répondu, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes en train de réparer votre maison. Mais qu'est-ce qui va suivre après? Elle va rembourser ou bien ça reste comme ça? C'est ce que je voulais savoir. Qu'est-ce que, par exemple, on va dire, il décide en fait par rapport à ça, en fait. Il a entendu? Touré, je te demande, après tout ce qui s'est passé, est-ce que Emma doit réparer ta maison ou pas? Est-ce qu'elle va Est-ce qu'elle donner va quand même les sous? Non, en fait, si lui il est pas, en fait, est-ce que elle va le rembourser? C'est ce qu'elle vous dit Voilà. comme question. Qu'est-ce que la juridiction décide en fait? Ok. Merci. Avant que je passe le téléphone à Monsieur Touré, c'est une question qui est très basique, hein. En fait, Monsieur, il y a le juge qui a commis un exploit en bâtiment qui n'appartient ni à Monsieur Touré ni à Mademoiselle Emma Louès. Alors, après ce devis, s'il est reconnu par ce même juge. A vu aussi dans la juridiction plusieurs fois, ils ont convoqué Emma, elle n'est pas partie. Bon, dans les normes, normalement, elle devait être saisie par rapport à ça. Et elle n'a pas été saisie. Et ensuite, la maison, maintenant, ils ont envoyé un expert pour venir voir et ils ont donné le devis. Donc, ce que je voulais savoir, ils vont lui ramener les devis et puis elle va payer M. Touré
ou bien comment ils vont faire? C'était ça la question. Maintenant, si vous me dites que, bien évidemment, elle va payer, je pense que vous avez répondu. Sinon, c'est une question basique. Merci. Ok, merci, madame. Merci. Bon, je vais poser la question rapidement, parce que depuis mon tour, quelles sont les nouvelles fraîches d'Abidjan? Ok, John, vas-y d'abord. Les nouvelles fraîches d'Abidjan. Depuis on est là, on attend les nouvelles, mais depuis on tourne tout. Donc, ok, Omo, attends. Sylvia, Omo, vas-y. Omo. Omo. Oui, oui. Voilà. Monsieur Touré, si tu m'entends là, je te soutiens encore. Depuis le début, je te l'ai dit depuis le début, hein. On avait les mêmes soucis, je te soutiens, et tu vas entendre beaucoup de choses sur toi. Beaucoup, beaucoup de choses, les supputations dans tous les sens, les traitements, les jugements dans tous les sens, M. Touré. Mais je te conseille de faire les travaux et de remettre ton bâtiment en location sans attendre quoi que ce soit. Mais le jugement, là, quand ils vont faire le jugement, les gens peuvent raconter beaucoup de choses. Je me suis fait traiter de malade parce que moi, ce que toi, tu vis là, moi, ça fait 9 ans que je vis ça. 9 ans. Mais j'ai toujours pris le temps de faire les travaux moi-même parce qu'il y a eu des gens qui sont venus, qui ont tout cassé, qui sont partis, qui ont fui. Tu mets en location, il fallait même pas l'attendre. Il fallait faire constater les faits. Tu finis de faire constater les faits, tu envoies l'affaire en justice et tu attends. C'est fou. Monsieur Touré, tu vas entendre beaucoup de choses encore. Hein. Jusqu'à ce que ton argent te soit remis, ils vont dire beaucoup, beaucoup de choses sur toi. Je te conseille, prends ton sang-froid. Doucez-moi ce qu'on a déjà vu hein, à Saint-Denis ici. Voilà. Et calme-toi. Imakoum. Yemele. Calme-toi. Ok, John. Ouais. John. Ouais, je t'écoute. Oui, je suis là. Il m'a dit. John, tu m'écoutes ou pas? Très bien, vieux. Vraiment, moi, personnellement, en tant que ton aîné, je te remercie pour ton direct que tu viens de faire. Mais sauf que moi, je suis venu rendre visite à mon cousin Touré. C'est vrai que c'est mon cousin. D'une manière parentale, c'est mon cousin. Mais sauf que la personne à qui appartient M. Touré vient de l'appeler. Pour lui demander de ne plus donner d'explication sur cette affaire. C'est-à-dire la mère de ses enfants. John, est-ce que tu m'entends? Oui, tu reçois très bien. Très bien. Aïe. Ton tonton me fait mal, près même. Pendant que tu es sapé, tu es à l'aise là. Je te dis que la chambre t'a mis est faite là-bas pour que tu restes dormi. Il a créé le buzz. Attends. Il a créé le buzz. Ma fille. Il a fait le faux buzz sur Internet deux jours là. Ma fille. Il est là, oui. Tonton de soi. Ma fille. T'es trop sapé. T'es trop à l'aise. Ça nous fatigue. Ma fille. Oui. Tu m'entends ou pas? Je t'entends. Ma fille, tu sais, je me souviens. Hein? Quand je suis arrivé à Paris en 2008, quand je suis arrivé à Paris. Ok. C'est chez mon cousin ici, je dormais. Ah, je comprends tout. Je comprends, mais non, mais voilà la sape, quoi. La sape, là, tu l'as tout respecté. Tu es venu saper comme jamais. On veut voir toute la sape avant que tu ne quittes le direct. Franchement. Ma fille. Quand tu m'appelles tonton, je t'appelle ma fille. Non, c'est normal, t'es pas mon égal quand même. Ma fille. Tu sais, souvent, il y a des problèmes là qui nous prennent au cou. Ok. Ce que je vais te demander là. C'est monsieur Touré ici là. Que vous connaissez sur les réseaux en tant que M. Touré là. M. Touré m'a empoché dans son entrée. C'est clair et net. Parce qu'il s'est allumé. Ce soir, il est venu allumer. Il a allumé ton attends, Sylvia. Oui. Tu sais que tu es mon combat, non? Bon, mais c'est ça. Aïe, Saïd, c'est le chant qu'elle a. Donc, Emma Louet, c'est le chant. Quand il n'y a rien. Voilà, on allume un peu et puis tranquille, on s'assoit. Il dit, après ça là, tant que les juges n'ont pas tranché, même si les juges ont tranché là, on sera dedans. Regardez, on sera dedans. Suspense. Les nouvelles fraîches d'Abidjan ne seront pas données ce soir. Un autre jour encore. Il est pas non, c'est ça. Non, attends, avant de couper les lives là, Zilga, on aura les nouvelles dans peut-être même pas 5 minutes, mais avant toute chose. Mais on dit sa femme, la femme. Non, sa femme a parlé, sa femme a parlé. C'est vrai, elle a parlé, c'est une réalité, on la respecte. Mais on va donner d'abord la parole à Calibran, c'est qu'elle là, ça fait un moment. D'accord. Calibran, vas-y.
Il te dit, il parle plus. Calibrant, tu es là? Laisse un commentaire, ouvre ton micro. Ok, Calibrant n'est pas là. Princesse, 225, vas-y. Bon, moi, franchement, je n'ai pas trop de choses à dire. Hein. Monsieur Touré, on lui a dit de ne plus répondre à cette affaire-là. Donc, moi, je n'ai pas envie de poser ma question parce que ça va encore, comment dirais-je, remuer le couteau dans la plaie. Donc, moi, je le laisse et puis on attend les... Aujourd'hui, plus jamais qu'il ne permette à un locataire de faire des modifications dans sa maison. Parce que psychologiquement parlant, quand quelqu'un fait des réparations dans ta maison-là, il pense que la maison lui appartient aussi. Oubliez ça. Dans ces bâtiments-là, plus jamais quelqu'un doit faire des modifications. Non, tu as trouvé une maison comme ça, tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu laisses. J'espère que tu as bien entendu le frère. Oui. Il faut plus jamais laisser que les gens. Non, on va modifier ça. Non. Prends comme ça. Yes. Voilà, tu finis, tu fais la peinture, tu nettoies, tu sors, je loue à quelqu'un. Ok, merci beaucoup. On va laisser Renker. Renker, vas-y. Ah, Tyron, je t'ai oublié, Tyron. Après, tu parles après, s'il te plaît, Tyron. Vas-y, okay. Renker. Okay. Renker, ton micro est fermé. Où ton micro, Renker? Bonsoir, vous m'entendez? Très, très bien. Moi, j'aimerais poser une question à M. Touré et puis à M. Dosso. J'aimerais savoir, d'abord à M. Touré, pourquoi à chaque fois que quand Emma fait une sortie, c'est après lui, il rebondit. Parce qu'elle était là, elle est venue à Paris, ça faisait des jours et des jours. On n'entendait plus parler de cette histoire. Et d'un seul coup, aujourd'hui, son cousin allait le rendre visite et puis il ressort. Ça, moi, c'est ce côté-là, j'ai pas compris, en fait, durant les jours. J'ai eu un coup de fil, un gars de son entourage qui me confirme encore le même fait, comme quoi Dosso m'a dit, non, en fait, Touré a dit tout à l'heure, comme quoi tous les communicants et tout qui ont parlé dans l'affaire d'Emma Louès ont été convoqués, non, où ils ont mis leur nom au tribunal. Donc, c'est confirmé, c'est vrai, il y a effectivement le nom de plusieurs activistes, plusieurs blogueurs qui ont été mis dans l'affaire de Touré. Encore une fois, merci encore pour votre vérité, Touré et puis Adosso. Merci encore. On y va. Voilà. Donc, je disais, c'est que moi, je n'ai pas compris parce que c'est la remarque que j'ai faite, en fait. Parce que quand moi, j'ai vu sur les réseaux que la fille, elle était venue, je savais qu'ils allaient sortir, en fait. Donc, je m'appelle sur la page de M. Dosso pour guetter, pour voir sur sa page, pour voir s'il allait faire une direct. Je m'appelle sur sa page, je suis pas dit son truc, son TikTok et tout ça, sur les pages, parce que je savais qu'ils allaient sortir. Pourquoi depuis ce temps-là, la fille, elle était là, elle tournait ici. Pourquoi ne pas sortir? Et puis c'est maintenant où elle est rentrée là qu'on sort. Moi, je ne comprends pas, en fait. Et c'est ce côté-là, j'aimerais savoir, parce que la fille était là, elle a trop duré ici. Je ne sais plus, elle est arrivée quand. Mais est-ce que c'est une affaire française ou bien ivoirienne? Ce n'est pas question d'une affaire française. De la manière qu'il a l'habitude de venir sur les panels, il reste sur les panels jusqu'à 6h du matin. 5h du matin, ou même Dosso, même il est au travail, et puis il dit, fais la ronde. 2h, 3h du matin, moi, on n'a rien fait pour te donner. Nous, on va parler. Renker. Bouche, oui, je préfère dire la vérité. Renker. Ça fait combien de temps? Renker, si je comprends bien là ton travail, là, c'est New Dosso? Non, je n'ai pas compris. Pardon, tu as dit quoi? Ton travail, là, sur les réseaux sociaux, c'est New Dosso? Tu as un problème avec lui? Je n'ai pas de problème. Oui, moi, je n'ai pas de problème avec Dosso, mais je vais en venir par lui. Je vais lui dire ce que j'ai envie de lui dire. Pour l'instant, je parle de M. Touré. Je vais lui dire que, par exemple, nous, il va venir, il va parler. Ça fait combien de temps? Depuis la dernière fois, il ne fait que parler. Il n'est pas fatigué. Ça rend malade. Je vais dire, c'était mieux qu'il fasse les travaux et puis envoyer en justice. Et là, on allait régler le problème en justice. C'est ce que je vais dire. Payer, ça ne sert à rien. À chaque fois que la fille met un bim, lui, il ressort. Mais c'est maintenant que la justice lui a donné l'aval de faire les travaux. C'est maintenant là, je suis là, mais il est sorti aujourd'hui, c'est pourquoi? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est quoi? Parce que il y a plein de panels, on s'est baladé aujourd'hui là. Il est sorti, c'est pourquoi? On parle de quoi? Parce que quand il explique toujours les mêmes choses. Même c'est parce qu'on peut enregistrer, c'est toujours les mêmes trucs qu'il explique. Oui, la justice a dit, on a compris. Ça ne sert à rien de revenir sur les mêmes choses. Maintenant, Dosso, maintenant là, je reviens vers lui. Tu vois, lui dit, aujourd'hui là, il est là. Dosso, c'est un tonton.
Moi, à l'époque, Dosso, avec son, il avait un Facebook. Non, faut pas, ne dis pas que tu n'as rien à voir, mais je préfère dire la vérité. Il y a très longtemps, c'est écrit. J'aimerais même lui parler de ça. Dosso, à l'époque, il était sur Facebook, John, sur les panels. Ils vont toujours salir, tu as compris ou pas? John, je sais pas. Parfois, je dis qu'on va salir les gens. Le tonton Dosso que allô, tu as compris. Tu peux m'écouter un voici peu. Le tableau. Oui, oui, le tonton, je t'écoute. Tu peux m'écouter? Oui, oui. Tu sais, ce que tu viens de dire là, chez nous, les Djoula, là, oui, on appelle ça Ibarlama. C'est-à-dire que tu as pris mon péché pour rien du tout. Si tu dis. Ibarlama de Wallahi Ibarlama. Non, c'est pas lui. Le tonton qui est connu là, c'est pas lui. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, j'entends, j'écoute ce que tu dis là, j'écoute. Même salon où je suis assis là, en train de manger du riz. Voilà le riz là. Voilà ça. Aham. Même salon où je suis assis en train de manger du riz là. Quand M. Touré a eu son problème avec Mademoiselle Emma Louès, j'étais le premier qui l'a appelé dans ce même salon là pour m'expliquer. En ce moment, j'étais encore sur Facebook. Je pouvais sortir et puis casser les papos. Mais j'ai demandé à mon cousin, j'ai dit, Touré, continue de rentrer en contact avec ta petite soeur, Emma Louès. Il m'a dit que... Il me dit là, je connais ça déjà. Tu as plusieurs fois expliqué ça ici. Ah, ok. Tout ça là, je connais, mais je veux dire qu'il faut apprendre à être rassembleur. Quand les jeunes sont dans les panels, quand les jeunes sont dans les panels et puis ça s'insulte, ça se dit des mots. Au lieu que toi tu as venu ajouter pour pouvoir faire chose, il faut rassembler. Mais j'ai ajouté quoi, ma petite soeur? J'ai ajouté quoi, Bosso? Bosso, faut bien écouter. Tu as vu? Qui va se passer là? Il y a des gens qui vont venir. Le coupable là, c'est le coupable qu'on va accuser. Moi, non, c'est pas parce que moi. Il y a des gens comme ça. Hein. C'est toi qui es la victime, mais c'est toi qu'on va faire passer moi, le coupable. Pas tu sais qu'il y a des gens qui sont là-bas qui disent que le locataire, il a plus de droits que le propriétaire. Moi, je prends c'est pas ça. La c'est ce qui se là-bas. Pour la défense. Faut pas Yann, il faut du regard. Je fais la remarque. Il y a toujours des gens comme ça qui vont venir défendre. Il faut pas accepter. Il y avait des gens comme ça qui vont monter. Moi, on insultait les gens. Il y en a même qui disent même si ton père est le président de la République, il paye pas. C'est pas question. Moi, je prends pas de défense de deux parties, mais ce côté rassembleur, je suis en train de lui dire qu'il apprend quand même à rassembler. Quand ça s'insulte là, moi j'ai déjà vu des panels où on s'insultait, et puis tu étais là, tu disais rien en fait. Tu étais dans le panel, c'est de ça que je voulais parler. Comme j'ai jamais eu l'occasion, une fois tu avais fait ton direct sur ton panel, j'étais arrivé dans ton direct, mais j'étais au travail, ma pause était finie, je pouvais pas monter pour pouvoir parler. Donc c'est ce que moi j'avais à dire. Ça ne sert à rien, c'est le même discours toujours, on vient nous dire ici. À chaque fois quand la joie va sortir, va venir faire son voyage, vous allez toujours sortir, vous allez venir faire le direct. Au fur et à mesure. Motion. Voilà, tu vois, John, il y a des gens à Dakar là-bas qui pensent que eux là, quand ils sont locataires, ils peuvent tout faire, on peut rien leur faire. Tu sais ce qu'on m'a dit avant-hier, que même si mon père est président de la République, là, il ne paye pas. Vous ne connaissez pas ce qui se passe à Abidjan. Hein. Il dit, même si mon père est le président de la République, il ne va pas payer. Et vous venez défendre des gens comme ça ici? Ils disent, ouais, le locataire a plus de droits que le propriétaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis vous venez défendre des trucs comme ça. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas bien. Il y a eu dommage, il doit avoir réparation. Point! C'est quoi du tout, tu es sorti, ça n'est pas sorti, on court. Le monsieur, il y a des dégâts chez lui. Il vient, faudrait pas qu'il parle. Vous êtes dans quoi là, mais comment vous arrachez quelque chose, vous allez comprendre. C'est quoi ça là? Toi, tu es sorti, toi, tu n'es pas sorti. Est-ce que toi, tu peux t'imaginer une fois qu'un locataire te dise, je paye pas ta maison, même si ton père est le président de la République? Tu peux croire ça? Tu sais ce que les gens disent là-bas à Abidjan? Tu sais ce que les gens disent? Nous, les locataires, on a plus de droits que les propriétaires. Arrêtez, à un certain moment donné, il faut arrêter, quoi. Ça fait mal. Ça fait très mal. Vous ne pouvez pas imaginer comment le fond de monsieur est en train de souffrir. Arrêtez. Mais c'est ici qu'il obtiendra la réparation de son père ou bien? Il y a la justice. On mange avec toi, là, mais tu ne montres pas. Oh, ça m'a. Il était non, bon. Je suis engagé. Engagé même de s'y engager. Ok.
En tout cas, donc, tu as bien fait de recadrer le débat parce que c'était pas un live pour poser des questions. On n'est plus à l'heure des questions, là. Là, on est à l'heure de la vérité. Donc, tu as bien fait de recadrer le débat parce que les questions que les gens posent, en plus, c'est des questions déjà qu'on a déjà posées avant. Tout le monde sait. Merci, merci beaucoup. Donc, maintenant, c'est la vérité qui va arriver. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Mmh. Ok, on retiendra déjà que le 2 mai, il y a un rendez-vous. C'est ça, le 2 mai, il y a un rendez-vous, je crois que c'est... La pleine débat. Ok, c'est le 2 mai. Et après ça, il y a encore le 18 juin, non, je ne me trompe pas. De toute façon, je ne sais pas si c'est les dates, c'est ce que Tour nous a dit tout à l'heure. Attends, je te le passe. Voilà, juste, on va prendre cette nouvelle-là, on va conclure le live sur ça. Voilà, pour le 2 mai. Et pour le 10, je crois que c'est le 18 juin, si je ne me trompe pas. Voilà, non, les deux convocations. Que je sache, oui. Le 2 mai, il y a Emma Louès qui a fait une réclamation où elle a mis le nom de tous les cyberactivistes qui ont mal parlé d'elle à ce sujet. Avec tous les corps, un autre procès qui va revenir directement au dossier sur lequel nous sommes en train de plancher son nom. Mais pour l'instant, comme son avocate, avec l'accord de mademoiselle Emma Louès, c'est-à-dire que le problème qui se passe en ce moment, ce n'est pas leur problème. Même toi, John, le fait que tu fasses un panel sur ce sujet et qu'il y a des gens qui viennent dans ton panel pour parler mal de mademoiselle Emma, son avocate a pris le soin de relever le nom de toutes ces personnes-là qu'elle a archivé, qu'elle a envoyé au juge. Donc, le procès du 2 juin, ça sera sur ça. Maintenant, après, le juge, en sa qualité de juge de cette affaire, va fixer encore une autre date pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne M. Touré et Mademoiselle Emma Louès, le fait d'avoir délabré la maison de M. Touré. Voilà. Donc, donc, si on comprend bien la conclusion, puisqu'il y a déjà le rapport de l'expert indépendant qui est pris par les juges, son rapport qui disait comme quoi Emma devait vous dédommager, M. Touré, d'une hauteur de plus de 250 millions. Ok. C'est officiel. Voilà, il y a trop de questions. Et je n'ai pas envie de dire la somme exacte, mais comme vous-même vous le dites aujourd'hui, tranquillement, 250 millions, que Emma l'espère. Plus de 260 millions. Ok, plus de 260 millions. Voilà, okay. Nouveau chiffre, 260. Ok, donc on va mettre ça, on regarde ça très bien, ce chiffre-là. Plus de 260 millions que l'espère a dit comme quoi Emma devait payer à M. Touré. Donc, tout ça sera tranché au jugement, normalement, au mois de juin. Si je ne me trompe pas, au mois de juin. Donc, on met ça, ce chiffre-là, on met ça de côté. Maintenant, ce chiffre-là peut être moins, ou ça peut être plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça peut, il peut aller plaider pour payer moins le jour du jugement. Je pense bien que c'est ça. Ok, on va laisser... elle va négocier pour moi. Oui, voilà, elle va négocier pour payer moins sûrement. Ça se passe comme ça généralement. Ok, il y a Shekina qui est montée après... Après, bonsoir à tous. En tout cas, moi, je suis montée pour dire à Emma que quelle que soit l'issue du procès, nous serons avec elle aujourd'hui, demain et après-demain pour l'éternité aussi. Vous avez envoyé l'histoire en justice. Laissez la justice faire son travail. Merci pour la force. En tout cas, chacun est libre de défendre le camp qu'il veut. On n'empêche pas vraiment quelqu'un de se porter qu'il veut. Voilà. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais ce soir, je dis à tout le monde. Mais vu qu'on vous insulte pendant des semaines et des semaines, vous allez laisser à Dieu. Mais elle ne va pas laisser. L-E-M-I-N-N-E-U-R, le démineur. Ça, c'est mon Snapchat. Tu prends ça, tu joues ça au dossier. Mon nom, John Mikey Bala. Tu prends ça aussi. Tu écris ça. J. Écoute très bien, j'appelle hein, mon nom. J-J-J-H-O-N, espace M-I-C-K-Y, espace B-A-2-L-A. Ça, tu joins ça au dossier. C'est que John Mikey Bala a fait un panel qui parlait de Emma. Comme vous. Vous pensez que le. C'est bien noté. Pas de morale à faire. De toute façon, on note tout ça. On va envoyer ça là-bas. C'est toi qui vas dégager. Non seulement tu es pauvre dans la tête, et puis tu es pauvre financièrement. C'est toi le pauvre dans la tête. Ça, c'est toi qui es pauvre dans la tête.
Ce sont les points qui réalisent comme ça. Tu n'as rien réalisé de ta vie. Tu n'as rien réalisé. Tes parents n'ont rien réalisé de leur vie. Toi, tu as réalisé quoi? Pourquoi? Moi, il y a trois immeubles d'Abidjan. Il y a trois immeubles. Mon temps que tu sois, ils ont réalisé quoi? Moi, il y a trois immeubles. Si tu fais une vidéo, tu te montres. Moi, j'ai trois immeubles. Attends, Big Boss. Fallait la laisser, c'est pas grave, merci quand même. Fallait laisser, c'est pas grave, fallait pas la faire descendre. Parce que voici des gens qui se promènent de panel à panel pour dire que si vous parlez de moi là, ton nom sera inscrit. Mon panel est posé là, on parlera tant que M. Touré vient me dire, là je lance panel sur Touré. Là dis-moi les gens comme ça que ton nom est inscrit là-bas. Parce que le tribunal d'Abidjan, c'est tes parents, ou bien le procès là-bas, c'est ton père. Regardez-moi les gens, donc le personne, vous savez n'importe quoi. Mon nom est petit, je te donne l'entièreté et tout. Si tu veux encore après ça, quoi, je prends la photo de mon passeport, je te l'envoie. Écris-moi s'il te plaît en inbox, Shekina. S'il te plaît, Shekina, écris-moi s'il te plaît en inbox, s'il te plaît. S'il te plaît, écris-moi en inbox, s'il te plaît. Regardez-moi des légumes comme ça, parce que vous pouvez intimider qui? N'importe quoi. On revient encore au dossier. Touré est venu, on nous dit clairement ce qu'il nous dit, je prends et puis je mets sur la toile. Que Emma. Voilà des gens qui font que ouais, les gens s'apprennent à Emma parce que vous faites une mauvaise communication. Vous voulez toujours qu'on parle de l'importance de Emma. Non. John. Deux secondes. Oui, Sylvia. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'injuste. Emma, l'Ouest, reste dedans. D'accord. Non, mais pas d'injuste. Je t'apprends ça. Mais comment voilà, on finit sur la parole et menacer les gens? Pourquoi voilà. Pas menacer les gens? Laisse les gens qui sont perdus. Monsieur Touré aussi peut prendre les noms de tous ceux qui ont parlé contre lui là pour aller porter plainte. C'est tout. Non, en fait là, laisse les gens. Ils viennent. Aïe. Qu'est-ce qui chez Dima? Regardez-moi ça, chez Dima. C'est la diversion, c'est ce qu'on fait. Le renard, il veut mélanger l'air des gens. En fait, il veut nous faire sortir du sujet. Tout est venu parler de son problème, ça ne vous intéresse pas là. Il y a un panel là-bas, allez dans les panels qui vous intéressent. Omo, on appelle ça Big Boss. Big Boss, t'as mal fait même de parler que ouais, il ne veut pas Abidjan. N'importe quoi, il ne faut pas donner le flanc à ces gens-là. Eux, parce qu'ils ont tout. C'est une technique d'intimidation. Omo, calme-toi. C'est une technique d'intimidation. Tu montais par rapport aux deux dames là, celle qui est en bas avec celle que tu étais fâché contre. Elle là tout de suite là. Je te soutiens, je soutiens monsieur Touré et Gaffé Dosso et Gaffé. Il y a un Gaffé qui a parlé là. Bon. Excusez-moi, les dames qui ont parlé, il me semble qu'ils n'ont pas, ils savent pas ce qu'on appelle travailler ou bien construire une maison, lui acheter un terrain pour construire une maison. Pour travailler, pour construire une maison, et on va détruire ta maison, ça fait mal. Un, c'est ton sang. Nous tous, on est en Europe. Hein. Pour travailler avant de toucher, même SMIC, c'est pas facile. Même pour faire le prêt, c'est pas facile. Et puis, tu vas construire une maison, un locataire va louer ta maison, il va faire n'importe quoi. Et puis, les femmes, qui disaient des femmes, et ils vont venir sur parler pour dire que ouais, on soutient mal l'Ouest aujourd'hui, on soutient mal l'Ouest demain. Mais attends, et Abidjan et mal l'Ouest, elle n'est pas la reine de l'Angleterre pour Abidjan. Et puis, excuse-moi pour la dame qui est en bas, elle a dit quoi? Emma l'Ouest, elle a mis BIM, mais c'est tout, elle est sortie. Quel BIM? Si tu viens, tu fais ta fête, tu fais tes trucs, c'est tes trucs. Il sait même pas. Monsieur Touré, il a dépensé tes sous. Il a dépensé son argent pour construire sa maison. Il a l'argent qu'elle. Il va être jaloux d'elle ou pas? Il va être jaloux d'elle ou pas? Il a construit sa maison. Maintenant, elle a dépassé. Vous décidez. Je vais te dire un truc. Hein. Tu sais qu'entre les femmes, là, elles se prêtent les habits. Les habits, parfois, c'est slip ou bien c'est robe. Je te jure. Je viens, madame. J'ai dit motion. Faut pas m'interrompre. Je vais prendre un cas tout bête, tout simple. Entre les femmes. Je te parle d'habits simplement, Omo. Je te jure. Dis à une de ces femmes-là que l'une de ses camarades prête son habit ou son calbar. Ça n'a qu'à être déchiré un peu. On va voir comment est-ce qu'elle va réagir. Oui. C'est la vérité. Sylvia, excuse-moi, Sylvia, toi, excuse-moi. J'ai jamais vécu ça, donc du coup, je ne peux pas te répondre là-dessus. Peut-être que, monsieur John, tu as vécu ça dans ton entourage, c'est pour ça que tu parles de ça. Moi, je n'ai jamais vécu ça où on se prête les affaires. Sylvia, voilà quoi. Sylvia, toi, tu n'as pas parlé mal. Mais les dames qui parlent, ils soutiennent mal. Moi, je suis monté sur le panel, monsieur Paul Kadé. Quand je suis monté là, je n'ai pas mal parlé. Je suis venu m'adresser à tonton Dosso. Comment tu as commencé? Je suis venu donner des conseils à tonton Dosso.
Non. En tant que fille et puis en tant que petite sœur, de un. Et puis de deux, quand vous êtes en train de dire oui que les gens n'ont pas conçu, vous connaissez la vie des gens? Non, non. Et puis toi, vous ceux qui connaissez le prix des gens. Excuse-moi, tu as dit quoi? Tu as dit que ouais. Il y a que vous seuls qui connaissez le prix des gens. Tout le monde connaît le prix des gens. Tout le monde a réalisé. Tous les sorts. Je vais vous dire aujourd'hui, tout le monde est venu en Europe et puis on a tous réalisé. Ah oui, si tu as réalisé, attends, excuse-moi. Parce que monsieur, tu as construit ta maison, on a loué ta maison, on l'a détruit là. Ça va pas te plaire. C'est ça. Si on t'a détruit ta maison. Attendez la décision de justice. C'est ça que ça peut être depuis moi. Attendez la décision de justice pour voilà, quoi? Voilà, c'est ça. Attendez mais ça. On voit la vérité, mais on ne dit pas. Et déjà, même, justice, Emma Louis, elle ne vient pas. Emma Louis, elle n'est pas la reine en Côte d'Ivoire. Tu étais là-bas. Aïe! Elle ne vient pas. Même les juges, tu le montres pas. Tu les parles, on promet. T'as vu juste parler. T'as vu juste quand ce juge a dit ça. Non, il y a les gens qui parlent. Il y a les gens qui parlent. Mais les faits sont là. Elle vient pas. Mais j'ai la grabée maison du monsieur. Mais ça, c'est ta vue. C'est vrai, quelqu'un qui est là. Elle a pris les noms qu'elle a pris là. Même on dit que son nom est là-bas. Ça donne quoi? Donc vous ne savez pas que quand on a un avocat, on peut ne pas aller en justice. Sylvia, excuse-moi, toutes les noms qu'elle a pris là. Ça donne quoi? Toutes les noms là, ça donne quoi? Toutes les noms qu'elle a pris là, ça donne quoi? Mais justement, t'es pas un juge, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. C'est pas normal ça. Quand tu portes plainte à quelqu'un, évite de faire des erreurs. Sylvia, toi tu es là, là. C'est pas bien. Là, les gens peuvent t'insulter, tout le monde. Attends, donc Sylvia, monsieur Touré peut prendre ton nom aussi. Ouais, c'est ça. Pourquoi quoi? Ah, tu as parlé contre toi. Ouais, vite. Non, moi j'ai parlé, mais j'ai pas insulté Emma Louest. Est-ce que tu as insulté monsieur Touré? Jamais, j'ai pas insulté monsieur Touré. Voilà, mais pourquoi est-ce qu'elle va relever les noms? Non, elle n'a pas insulté. Parce que nous on parle, on n'a pas insulté, hein. On n'a pas insulté. Bien sûr, c'est la juge qui s'est passée, il n'y a pas eu d'injure dedans. T'es sûr de cela? Il y a les gens qui sont déjà en train d'insulter. Attendez, vous allez voir. Tu m'as déjà entendu insulter. Mais vous comprenez. Est-ce que tu m'as déjà entendu insulter? Voilà, il y a les gens. Supposons que monsieur Touré prenne toi ton nom, fais comment? Il n'y a pas de supposition parce que ce n'est pas réel en fait. Il ne faut pas rendre la supposition. Donc pour nous là, c'est ça qui est réel. Si il prend mon nom, il n'aura rien qui va condamner Emma Louest. Tu comprends? Si il prend mon nom, justement,